prairie des Indes maintenant. Hein. C'est le meilleur moment de la journée. Il est... Oh, il est... Je ne sais pas quelle heure il est parce que je ne sais pas. J'ai pas ma montre. À moins que je l'ai dans ma poche. Ah oui, je l'ai dans ma poche. Moi, j'ai tout dans mes poches, dans mes sacs et tout. Voilà. Il est 1h05. Pas bien, ça. On a toute l'après-midi pour se promener à Péridesa. Et bien ça, c'est un endroit qu'on aime, Françoise et moi. Et qu'on adore. Et j'ai ma nièce aussi qui adore ça. Qui adore venir avec nous parce que ça change tout à fait la vie. Ça change la vie parce qu'on se promène. Et on se sent bien. On se délasse. D'ailleurs, vous pouvez voir, hein. Voilà. Et il y a beaucoup de monde, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Ça, c'est un problème. Parce que quand il y a trop de monde, c'est un problème. Et ils nous ont dit à l'entrée, là, il y a à peu près 10 000 personnes. Aujourd'hui, en ce moment, dans Péridesa. Oh là là. Il y a beaucoup de monde, là, ça. Allez, je vais brancher la caméra. Parce que moi, je viens surtout ici, c'est pour filmer. Enfin, d'abord pour se promener, et puis pour filmer. C'est génial. Non, c'est celui-là, là-bas. C'est un fourmilier, ça. Oui, c'est ça. Ah, il cohabite avec les tapirs. Faire le sourire. Voilà. Il était petit.
C'est un bout de sandwich. Mange-le. Hop, hop. C'est quoi cette chose? J'ai du bon matos. Je ne peux pas manger. Ouais. Priez pas, après il va partir. Ne faites pas peur. Trop tard. Ah lui, mieux que ça, vous seriez pas là. Voilà. J'ai un nouvel ami. Il paraît qu'aujourd'hui il y a 10 000 personnes. T'imagines 10 000 personnes? Mais qu'est-ce qu'ils ont venu faire ici à Péridesa, dans notre jardin, à nous? Hein, quoi? Ça fait comme ça. Bon, allez. Madame.
Eh ben dis donc. Ça est bizarre. Enfin, de toute façon, nous avons passé une bonne après-midi en compagnie des animaux et des humains. Comme les humains, quand ils respectent l'endroit. Ça l'est gêne... aujourd'hui, je trouve. Oui, ça ne me gêne pas du tout. Ce que je trouve ça quand même fantastique ici, c'est qu'il y a 10 000 personnes. Et il fait plus propre que dans mon... dans la plaine de jeu où je travaille. Il fait plus propre avec 10 000 personnes qu'avec 250 à 300 personnes dans ma plaine de jeu. Donc ce qui voudrait dire éventuellement que les gens qui viennent de la ville et qui habitent en ville, dans une plaine de jeu en ville, sont plus sales et irrespectueux du travail que l'on fait, mon collègue et moi. Et ça, je ne l'admets pas. Parce que ne pas respecter la propreté, parce qu'il y a des gardiens qui ramassent les papiers et tout ça. Ici aussi, il y a des gardiens, enfin, il n'y a pas des gardiens, des gens qui ramassent les papiers et les déchets et qui vident les poubelles. Ils font le même boulot que moi et moi je fais le même boulot qu'eux dans une petite plaine de jeu. Et les gens sont plus dégueulasses. Et le comble, c'est quand on remarque les gens qui nous visitent, c'est des gens qui travaillent pour l'Europe. Là, je vais arrêter. C'est fou, ça. Comment on ne verra jamais. Ben, moi, je bois du café, ça fait du bien.